qui est conseiller municipal de Marseille, qui est député européen, qui est président de la Régie des Transports Marseillais, qui est chroniqueur sur RMC dans les grandes gueules. Karine Guérigui, bonjour. Ma première question, c'est est-ce que tu n'as pas des femmes de couple être aussi peu chez toi? Non, parce que j'ai des femmes extraordinaires. Je l'ai d'ailleurs, j'ai compris depuis 25 ans que nous sommes mariés. J'ai compris que ma vie, c'était basé sur le choix. Être au contact d'autrui, prendre des initiatives, être en action, accepter ça. Mais tout le monde, tu peux dire qu'ils avaient grandeur, hein? Qui peut dire qu'ils avaient grandeur? Parce qu'on a été très pris par son activité professionnelle, c'est ce que je fais. Celui qui est chauffeur pour vous, qui fait l'international, qui parle en France, mais il n'est pas à la maison, est-ce qu'il avait grandeur? Là, à un moment donné, on est tous pris dans la société par des passions, par des obligations, et c'est vrai que nous, on peut toujours ajouter une fois qu'ils ont 20 ans, et finalement, déjà, il a 20 ans. Oui, c'est vrai, mais j'essaie de donner une relation qui est plus basée sur les qualités que sur les quantités. Donc, on essaie de se donner de se conforter comme on peut, mais c'est vrai que moi, quand je suis à la maison. Je suis. Tu peux dire que là, bah, tu as coupé le portable, c'est un peu compliqué. Et quand tu regardes la CEOPER, que je pensais que tu regardes tes 4 enfants, tu te dis, tu as réussi l'éducation, hein, aujourd'hui. Réussir l'éducation de ses enfants, c'est voir ses enfants épanouis et être passionné par quel que soit le sujet dont ils ont décidé d'être passionné. C'est ça pour moi, réussir l'éducation d'enfants. C'est pas dire, ben, celui-là a fait de longues études, il va mieux aussi que celui qui s'est arrêté pour l'école. Pour moi, c'est tu trouves ta place dans ta vie, dans la société, tu as les ventes de basket, tu es épanoui, et avec ton tempérament, donc tu arrives à être heureux. C'est le bonheur. S'ils hésitent, ils sont décidés à être heureux. Mais si tes enfants sont compliqués, s'ils se torturent l'esprit, s'ils ne trouvent pas leur place dans la société, tu peux te dire finalement, est-ce que j'ai transmis les éléments essentiels? Si c'est tout le contraire, tu te dis, déjà aujourd'hui, ça va. Pour l'instant, ça va. Quand même, s'il y a des phases qui sont celles de l'adolescence, que tous les enfants rencontrent, qu'on a pris des normes, qui sont des phases un peu compliquées, mais bon, on essaie d'être là, on essaie d'être à l'écoute, on essaie d'être aussi de conseiller. Moi, je suis plutôt un pédagogue et mes enfants, donc j'essaie plutôt de discuter de tout. J'essaie d'approcher, voilà les conséquences. Exactement. Donc après, il faut explorer la stabilité des gamins. Je pense qu'il ne faut pas non plus les assister, parce que déjà, moi, dans mon engagement politique, je suis plus la solidarité contre la système. Je ne vais pas, moi, assister mes enfants et je vais les responsabiliser. Pourquoi cette tu as remarqué, j'ai rappelé dans l'intro, puis tu en as parlé à l'instant, tu fais beaucoup de choses. C'est quoi cette boulimie d'activité que tu as une vie, de ta peur, tu as besoin d'avoir un agenda, mais compressé? Non, je crois que la vie est courte. Et qu'à un moment donné, quand on a des opportunités, parce qu'on rencontre des femmes et des hommes extraordinaires sur son parcours, j'ai pas envie de passer à côté. Et quand l'occasion est donnée, m'a été donnée, d'initier une action plutôt associative à de faire la politique, je suis allé à fond, et je fais les choses à 2000%, parce que c'est mon tempérament. Quand je m'engage dans les syndicalistes, j'ai des syndicalistes avant de faire de l'associatif. Et mes engagements, je les vivre pleinement. Je ne veux pas avoir de regrets, je ne veux pas me dire, si tu avais su, tu aurais dit ça à tel moment, ou tu aurais plutôt fait ça, ou tu aurais essayé de travailler avec un tel. Non, je veux le faire en n'ayant aucun regret, parce que je pense que la vie, ça passe vite, et qu'il faut la prendre du bon côté, qu'il y a des moments positifs ou négatifs, et moi je veux vivre le côté positif. Donc, je suis quelqu'un de passionné. Il y a des gens qui sont jeunes aussi parce qu'ils ont une super qualité. Tu fais pas attention aussi un peu à ça, à lever le pied de temps en temps. On n'est pas assez passionné. Moi, j'ai un essai sportif. Moi, je me sentais aussi physiquement. J'essaie de me psychique aussi, de prendre une grande recul lorsque c'est nécessaire. Je suis à la maison tranquille. Je me mets un CD de musique classique. Donc, ça me permet de m'évader. Je prends un petit bouquin. Je suis tranquille, je suis une de mes activités. Il y a tout moment de respiration aussi. Évidemment, tu vois, les accords. Tu l'as dit, tu as été un grand footballeur professionnel. Tu as dû arrêter de faire ça. Est-ce que le sport, ça t'a appris quelque chose aujourd'hui que tu veux l'explication? C'est ma vie. La gestion du de la récupération, c'est ma vie. Mon école à moi, c'est pas l'ENA. J'ai pas fait l'école, la scolarité d'administration. Moi, j'ai fait l'école du sport, l'école de la vie. Je suis parti à sport études, après la fin de formation. Ça prend encore tous les jours, il faut te remettre en question. Tous les jours, il faut t'entraîner et le match. Quand tu as gagné le match, le dimanche, il faut pas se masculiner, il ne faut pas se gargariser la victoire. Ça, c'est l'école de l'humilité, c'est le respect des règles. Il y a un arbitre, tu ne respectes pas la règle, c'est out. C'est le collectif, seul tu ne peux pas réussir. S'il n'y a pas les copains autour,
Et si on est content, tout le monde en a bien ça avec eux, alors on est la machine d'être de tout. Donc il faut s'entraider, il faut s'apprécier, il faut vouloir gagner ensemble, il faut faire la défaite ensemble. C'est donc fantastique dans la vie. Et ne serait-ce qu'effectivement que l'idée du l'entraînement, donc sur tous les jours à l'établi, c'est leur travail, donc on pense que dans la société, mais c'est quoi leur travail? Mais c'est effectivement se lever et se dire qu'on peut être meilleur. Jusqu'au jour où il y a un peu de choses, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait suffisamment de frappe? Est-ce que j'ai mis suffisamment de bruit de bruit pour réussir un dimanche? Et bien c'est ça, l'équipe, j'essaie tous les jours de m'inspirer de mes valeurs, de mon école qui est celle du sport, pour être à toute façon de la vie de tous les jours. Alors, est-ce que tu as quand même en 2012, pour les législatives, comment tu analyses tes défaites? Tu réussis beaucoup de choses dans tout ce que tu fais. Même à la radio, je t'écoute, t'es bon, merci. Comment t'expliques d'avoir échoué en 2012? Sur quoi tu veux dire que c'est pas un échec? Quand tu es le candidat au PECO Génévaire, que la candidate, un mois, tu prends au présidentiel, c'est 2,5%, ma copine est jolie. Et quand toi, tu fais 2,5%, c'est un droit. Tu peux pas considérer que c'est un échec. Après, oui, évidemment, je sais pas qui peut gagner, je pensais que j'allais remporter cette initiative. J'ai tout fait pour, mais il y a des femmes et des hommes, il y a ces quartiers populaires de Marseille qui m'ont aidé, qui ont été avec moi tous les jours, on était 30 dans les écoles, pour frapper, on parlait aux parents, on était avec sur le terrain, déployés, on se fait du porte-à-porte dans les cités, on a fait des cages d'escalier, on a vu la joie. J'ai perdu le sport. C'est pas la défaite. Il faut être humble dans la victoire et digne dans la défaite. Perdu, je continue. Et les batailles sont encore là. Je considère que passer de 2,5% à 2,5%, c'est pas une défaite, c'est pas une défaite. On dit toujours dans le cas de l'histoire. Mais j'ai quand même une histoire. Vraiment, par rapport à celle que j'ai reçue et qui lui a posé la question, qui disait que oui, que aujourd'hui, c'est vrai qu'il habitait dans les deux quartiers. Toi, envie d'habiter dans les deux quartiers. Pourquoi tu restes dans les quartiers? Parce que je considère qu'à un moment donné, c'est aussi ma manière à moi de mettre en avant mon éthique politique. Comment tu veux représenter comme il se doit nos concitoyens qui habitent dans des quartiers difficiles, en habitant dans des quartiers hyper privilégiés, où tes enfants et toi ne vivent pas du tout au quotidien ce que vous habitez dans les quartiers difficiles. Moi, je considère que ma fille, quand elle prend le bus le 25 ou le 26, donc à Saint-Antoine, et qu'elle met 35, 40, 45 minutes pour aller dans son école spécialisée à Saint-Antoine, elle vit ce que des gamins des quartiers nord vivent. Et quand elle me dit à la fin de l'année, je suis exténué, parce que dans le président de RTM que je suis citoyen élu, il a envie de mener le métro jusqu'à l'hôpital Nord. Pour l'ensemble des quartiers de Marseille, mais aussi parce qu'il est concerné directement sur la propreté, sur la sécurité, sur les équipements sportifs et culturels. La même chose, pourquoi il y a deux Marseilles, un Marseille dans lequel je vis, qui sous-doté un peu, et un bon Marseille, qui est Marseille du Lucien, du Vieux-Port, des Terrasses, du Port prochainement, qui aurait effectivement le métro, le tramway et le bus. Mais moi, je m'insurge et je m'indigne mieux politiquement quand je le vis que quand je ne le vis pas. Entre une grand-mère algérienne et une grand-mère française, ouais. De quoi tu as hérité de ces deux cultures? Qu'est-ce que tu as pris? La laïcité. Fantastique. La tolérance, le respect. Fatima musulmane, que le pauvre soit à table de chevet. Hélène, catholique, que le petit Jésus de ses familles dans un intérieur de la prison très tôt. J'étais le premier petit-fils, et quand j'étais gamin, je dormais avec elle. Et il n'y a pas une qui m'a dit du mal de l'autre. C'était génial. Hélène disait que Fatima était une grande dame. Fatima disait que Hélène était une mère fantastique. Et moi, quand j'ai grandi, et que tu rentres le petit Jésus, et au courant, je ne comprends pas ces débats aujourd'hui. Sur l'intolérance, sur l'intolérance. Alors je me dis que naturellement, il faut qu'ils nous déchaînent nos enfants dans la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. On a le droit de croire à rien. Mais la laïcité, c'est l'acceptation et la possibilité pour tous d'être effectivement en phase dans ce que tu as choisi là. Moi, j'ai choisi, je suis musulman, certainement pas un très bon pratiquant, mais c'est pour moi, je crois en Dieu, et je peux le donner tous les jours. Et le ramadan, je fais le ramadan, donc je ne fais pas de porc, donc je suis effectivement dans le respect de préceptes, j'allais dire, premiers. Après, bon, je ne peux pas tout faire, et je ne suis pas certainement musulman, je pratique un grand moufti. Ce serait un grand moufti, je ne dis que je suis un grand moufti, mais je dis simplement que si on fait vivre la laïcité dans notre pays, c'est fantastique, c'est une chance pour tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse. Et encore une fois, c'est inconscient de se dire que le politique, c'est une chose, et que la sphère privée, c'est autre chose. Et dans la sphère privée, on doit laisser la liberté de conscience à chacun, dans la sphère publique, il faut partager la valeur commune. C'est la République, c'est la cité. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Je les adore. C'est fantastique.
transformer cette commune, qu'est-ce que ça change avec l'écolo pour Marseille? C'est ce que vous avez cet interview de midi parce que effectivement, c'est une embouteillage, on est toujours pollué, donc la santé publique ici au sein, c'est des investissements massifs sur le transport en commun, pour bailler la ville équitablement sur les services conditionnants, c'est des emplois nouveaux sur le monde portuaire et sur les énergies renouvelables. On a 15, 20, 30 000 emplois créés si on investit dans l'économie verte. C'est la volonté aussi de faire de la politique automatique de gouvernance. C'est une commission paritaire avec des citoyens, des associations, des positions municipales et la majorité pour décider des places de crèche, qu'on peut plus décerner à la tête du client, de logement, des emplois publics, c'est du clientélisme. Donc, être agent écolo, c'est vouloir être agile, c'est changer. C'est un changement profond, mais un changement profond dans la violence, dans la révolution, dans une forme de mutation qui bénéficie de Marseille. Je trouve la politique, parce que j'aime les gens. Je considère qu'il y a trop long de personnalité politique, je fais la politique sans aimer les gens et pour se servir. D'où le fossé qui se crée, pour réduire ce fossé. Il faut aimer les gens. Je ne parle pas de la parce que c'est terminé. Déjà non. Je suis désolé, je crois que tu as un super plaisir. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des fonds de suite. Pardon pour le détournement. Ciao.